il y a quelques instants. Elle ouvre la finale à la poutre chez les dames. Liu Fengwu, tout juste 17 ans. C'est la relève hein, dans l'équipe de Chine où là aussi la bagarre sera extrêmement dense ouais. pour savoir qui fera partie des 6 qui participeront au championnat du monde de Tokyo. Ils ont tellement de réserves que... Bon, en fait, les gymnastes qu'ils envoient dans les tournois de Coupe du Monde sont déjà des gymnastes de talent, et déjà des gymnastes repérés hein, au niveau chinois, bien sûr. Rondade, saltoirière tendue. L'an dernier, elle avait fait médaille de bronze ici à Gand. Wu Liufeng. Qui enchaîne avec la deuxième grosse difficulté, le salto avant, jambe décalée, enchaînée. Ouais, avec un travail en arrière, la flic-flac, salto arrière tendu. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'évolution du travail à la poutre, ces enchaînements, de moins en moins de coupures. On part d'un travail en avant pour partir directement sur un travail en arrière ou inversement. Voyez ici, le saut acrobatique suivi de salto arrière, suivi tout de suite. De nouveau saut gymnique. Avec expérience, elle vient de se rattraper là ouais. sur cette poutre dont on va rappeler une nouvelle fois, mais c'est suffisamment surprenant pour qu'on le dise. 10 cm de largeur seulement ouais. sur des funambules avec la préparation pour la sortie. Wu Liufeng en double salto arrière, corps carpé pour la chinoise. Oui. Oh, double salto arrière carpé dans la technique, la fluidité, la perfection sur la ligne de jambe, sur la réception. Ah, du beau travail. On voit ici, regardez, salto arrière tendu là aussi. Avec cette extension qui permet de freiner la rotation pour bien se poser. Travail de précision, vous parliez des 10 cm. On voit bien ici tout le travail, regardez, de réception du salto arrière. Je peux vous assurer que les doigts de pied y travaillent. Hein. Et double arrière carpé en sortie. 14.975, voici la note de base en ouverture de cette finale à la poutre pour Wu Liufeng.